Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 306 de Stage One, et comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, nous allons aujourd'hui jouer à Pinball FX, le pinball de Microsoft. Alors, j'ai réussi à avoir quelques circuits avec le temps dans certains bundles, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu de pinball, mais les circuits, il faut les payer, et ils sont à thème en général avec... vous allez voir par vous-même. Voilà, Star Wars est disponible. Donc j'ai réussi à avoir quelques circuits sur du Star Wars, sur du Walking Dead, sur les Gardiens de la Galaxie, Ant-Man, Avengers. Je crois que je les ai, ceux-là. Voilà. Tous ceux que j'ai pas, c'est ceux qui ont un cadenas et qu'il faut payer la peau du cul. Soyons clairs. Donc, eh ben ça se joue avec la manette, hein. On va se faire deux trois parties, on va voir que c'est sympa. The Walking Dead. Et puis on va se mettre en un joueur. Et c'est parti. On lance une partie, chargement. Et c'est des pinballs vraiment en général, voilà, c'est graphisme joli, ça donne vraiment envie. Hop, coup de hache pour lancer, et on joue avec les deux gâchettes. Et donc tout est en thème, hein, les zombies, les choses à faire, les bonus, les missions. Oh putain. J'ai sauvegardé la balle. Alors du coup, j'ai peut-être pas forcément beaucoup parlé. Putain, je me suis fait avoir. Regardez. Bille perdue. J'ai peut-être pas forcément beaucoup parlé, alors à part dire que c'est joli, il n'y a pas tellement d'histoire, c'est un pinball. Alors on va essayer d'en faire un maximum pour voir les différents parcours qu'il y a. Je vais faire une partie de chaque, enfin je vais peut-être pas tous parce que sinon il y en a pour 2 heures. Mais pour qu'on puisse voir, bah ouais, la tronche que ça a. Est-ce que je peux débloquer? Là je viens de défoncer le zombie. Stay out. Vous avez vu, tout est fait pour être dans l'ambiance. Il y a des zombies dans la rue. Et où? Elle est où ma bille? What the? Ouh, il y a de l'histoire à l'intérieur. Stay close to me. Sauvez Duck, sauvez Sean. Duck. Ah ouais, on interagit avec l'histoire, ça c'est trop bien ça. Un nouveau meilleur score proche. Donc je vais battre sûrement mon score. Et je suis toujours à ma première bille, donc voilà, je suis plutôt fort pour une vidéo que je tourne en vidéo. Enfin, vous m'avez compris quoi. J'espère qu'elle est enregistrée et qu'il n'y a pas eu un bug quand j'ai démarré l'enregistrement. Je crois que j'ai tellement un doute que je vais regarder entre chaque circuit. Je ferai une coupure dans la vidéo. Ah. Dès que j'ai fini cette partie là. Surpassé. Good job. Que ce soit au niveau sonore, voilà, on sait pourquoi on paye le circuit, il coûte, comme je vous ai dit, il coûte bien 5 €, il me semble qu'il coûte à peu près tous le même prix, mais on sait pourquoi on l'achète, parce que derrière il y a des mecs qui sont vraiment fait chier à le créer quoi, de A à Z, c'est pas des copier-coller, hein. Ils sont vraiment tous différents. Là vous avez vu, on était dans une sorte de petit truc bonus en haut. Hop, 100 000 je viens de me faire là. Bien. 200 000. Ok, ça va déclencher l'histoire ça. Side Kenny, side Larry. 300 000. Oh. Putain, je suis en train de défoncer mon score.
sais pas comment je fais, mais je le défonce. Ah putain, en plus je perds pas la balle. Ah si, là je l'ai perdu. Partie terminée. Ah mon dieu, faut que je rentre mon nom. Ah, ça va être super chiant. Je suis désolé par avance. À moins que je puisse le taper. Je peux pas le taper. Évidemment, on est sur un clavier, mais non. Hein ? Ça aurait été trop dur de le faire possible s'il... Sauvegarder. Ouh, ce score ! Retour au menu principal. Hop, allez, on va changer, on va regarder... Bon, du coup, je fais confiance à ma vidéo. J'ai pas envie de couper. Je suis à fond dans mon truc, là. Football Super League. Eh ben tiens, on part dans... En plus, je peux sélectionner une équipe, sans déconner. Ah putain, on peut acheter des équipes, quoi. C'est des salauds, quand même. Ils vous vendent un terrain de foot, mais faut acheter les équipes. Bon, allez, on joue avec celui qui est gratuit. Et c'est parti pour le flipper version match de foot. Je pense que c'est le leader en termes de flipper au niveau des jeux. Hein. Il a beau être super cher, c'est le plus abouti, je trouve. Il n'y a aucun autre jeu de flipper qui vous offre ça, à moins que j'en le connaisse pas, mais tous ceux, j'en connais aucun qui dépasse ça. On avait fait un hot thrill pinball là, avec des femmes genre sexy, quoi, mais en fait, c'est pas sexy du tout. Genre voilà, il y a un mec qui tire la balle quoi pour commencer, c'est pas dingue ça. Et t'as les supporters qui réagissent. Elle ouvre la balle. Oh mon dieu, je comprends pas ce qui se passe. Il y a des tilters partout. Il y a une histoire de joueurs. Qu'est-ce qu'il fait lui avec son ballon à droite? Hop, j'ai fait de la merde. Qu'est-ce qu'il se passe? Bonus total, ok. Et c'est parti. Balle de match. Je rigole. On remet en jeu. YOLO la balle. Oh, j'ai fait tomber la balle. Ah, sauf qu'elle repart, elle repart. Mon gardien a arrêté. Surpasser votre super score. Ouh là, ils étaient contents les supporters. Ouh, coup franc. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, j'ai eu une sorte de... Ah mon dieu, j'ai raté la balle. Tout est bien fait en fait. C'est un truc de ouf. Oh, 250 000. Ouh, deuxième balle. Ouh, il y a du bon score là, 100 000, allez. Ça doit être super dur à la rentrer la balle là. Putain, je suis bon là. 5 000. 10 000. Voilà, c'est des petits 1 000. Back to the training ground with that free kick routine.
5000. Je sais pas si ça peut rentrer. Après il y a... Oh, il y a du temps de jeu apparemment. Il reste 17. Il y a un joueur, un compteur en bas. J'imagine qu'il y a un temps de jeu qui doit être important. Allez, troisième balle. Est-ce que... Troisième balle. On est reparti. Remise en jeu. Hop. Oh putain, ce vieux tir. J'ai fait un tackle. Si c'est pas beau. Alors du coup par contre, ouais, du coup la partie en elle-même est longue, mais tant mieux, ça, c'est ce qui rapporte du score. Mais du coup pour faire une vidéo, c'est peut-être un peu limite, peut-être un peu trop long. En tout cas moi je sais que je serais saoulé. Après bon. Je vais essayer de... Voilà, je pense que je vais en faire un troisième. Juste bah, sur un thème complètement différent. Là, on a fait Walking Dead et on va voir ce qu'on va faire ensuite. Hop. Putain, j'arrive plus à rien à faire, c'est quoi ce bordel? Il s'est passé quoi là? C'était quoi ce vieux bruit que j'ai entendu? Et voilà, j'ai perdu ma balle. Balle sortie. Bonus total. Ah, oh, ta mère, faut que je retape mon nom. Ouais, et ben je vais m'appeler A, B, C. Voilà. Pas m'emmerder longtemps. Ah, ce score de ouf quoi. Je sais pas comparer au monde entier, je sais pas ce que ça vaut, mais pour moi c'est un score de ouf. Allez, on va en faire un troisième qui n'aura rien à voir. Soit on prend les gardiens de la galaxie, mais je le connais déjà, soit on prend un que je connais pas du tout, Venom. Allez, on prend Venom. Et ça va être gluant. On se fait celui-là pour terminer ce test. Les autres, je vous laisserai les découvrir. Par vous-même. Par défaut, Pinball FX est gratuit. C'est juste les circuits. Voilà. Par défaut, vous avez un circuit au moins. J'espère que je dis pas de conneries, mais il est gratuit. Allez, c'est parti. Flof. C'est juste les circuits. On raconte. Ça fait super peur. Il est trop bien. Il est trop bien. Sauf qu'en face de moi, il y a marqué suite en fait. Donc en fait, il n'y a pas grand chose pour l'instant. Faut que j'arrive à l'envoyer dans les circuits, dans les rails là-haut. Oh ta mère, elle est tombée comme une grosse merde. Fluff, fluff. Et c'est parti. C'est bien quand on a deux niveaux de... Dong.
Alors, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais on voit que Steam télécharge d'autres jeux depuis tout à l'heure. En tout cas, il finit de les télécharger. Donc ça peut vous donner un indice sur potentiellement les prochains tests que je vais faire. Parce que je sélectionne quand même les jeux, donc c'est pas forcément parce que je le télécharge que je le teste. Des fois, je regarde quand même un poil un peu avant de le démarrer. Des fois, c'est pas testable du tout, en fait. Hein. Si pour moi, je peux pas le mettre en 1080, c'est compliqué. Ou alors, faut que je mette en place des overlays. Enfin, pour l'instant, il y a certains jeux que j'exclus de mes tests. Hein. Sans même les connaître. Hein. C'est juste une histoire de présentabilité du truc, quoi. C'est même pas possible de... d'avoir un truc correct. Oula, qu'est-ce qui va se passer là? Moi, quand la bille. 90 000. Je savais pas qu'on pouvait la coincer dans le tuyau là. Et que ça la téléportait dans un autre endroit. Niolo. 100 000. Ouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer là-haut? Ah, j'ai une deuxième bille. Grande classe. Ça donne que dalle quoi, je l'ai envoyé deux fois dans le même truc, ça a rien donné. Doing doing. Ah non. Et voilà, la bille perdue, la deuxième. Donc il nous reste une bille. Ah putain non, non. Oh, va te faire foutre. Je l'ai pas fait gaffe qu'il était en train d'aller chercher l'autre bille. J'ai inattention. Et voilà, et j'ai perdu. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour ce test. On va retourner au menu principal. Et ben on peut pas revenir juste à l'écran d'avant. Donc on va s'arrêter là, vous voyez qu'il y a plein de choses à débloquer, un peu tous les styles. Donc je pense que ça peut être intéressant, que ce soit Portal, bah tiens j'ai le Portal aussi, je savais même pas. Non, non, ah, mais... non, il est bloqué, oui, j'avais pas fait gaffe. Donc voilà, il y a plein de thèmes intéressants et c'est chaque fois différent, donc ça vaut presque le coup, mais ça coûte un peu cher. Là je peux pas vous montrer parce qu'en fait ça c'est sur Steam que vous allez l'acheter, donc c'est ouais c'est genre 4-5 euros chaque plateau. Je pense qu'on peut les trouver dans d'autres chez d'autres revendeurs, même si bon voilà, parce que Steam est toujours plus cher. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Stage One, d'ici là portez-vous bien, et puis on se dit salut.